Écoutez où qu'elle est là. Si c'est une fille ou un garçon, tu le sais ou pas? Oui. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je ne peux pas commencer ce nouveau weekly vlog avant de vous remercier. De vous remercier pour toutes vos gentillesses, tout votre amour suite à la publication de mes deux dernières vidéos. Mais également pour celles qui me suivent sur Instagram pour le réel que j'ai posté. Et même d'une petite photo de moi et mon chéri. Je suis juste dépassée par tout l'amour, même les enfants, mon chéri et mon ami Chrisley du coup. Parce que c'est... En fait, on est les personnages de la chaîne restante, en tout cas pour le moment. Et on voulait vraiment vous remercier pour votre tendresse, gentillesse, amour. Vraiment, les filles, ces derniers mois, ils ont été assez compliqués. Je vais pas vous mentir, entre des choses que j'avais calculées avant de venir ici qui ne se sont pas faites, des problèmes administratifs liés au fait que je partageais mon administration fiscale avec mon ancien compagnon. Tout un tas de changements en fait, parce que ma vie, elle a totalement changé en un an. Je m'y attendais vraiment vraiment pas. J'étais partie dans une certaine optique et finalement l'optique, elle a un petit peu changé entre guillemets. Je voulais vous dire que franchement, j'ai l'impression que c'est une nouvelle ère qui souffle sur la chaîne, parce qu'il y a eu différentes ères, des ères bon bizarres, des ères très désagréables, des ères mystiques. Mais là vraiment les filles, je vous l'assure, je vous le promets, tout ce qu'il y aura sur la chaîne, c'est du partage de love, de love, de love et encore de love en fait. Je ne vais pas faire de polémique, je ne suis pas sur ça. Je pense que c'est parce que j'ai pris en maturité avec le temps et je ne vais pas répondre aussi à des personnes qui essaient de faire des attentats pour créer des polémiques. Vous savez, moi je suis d'origine congolaise et vous allez comprendre la transition. Et dans mon pays d'origine, il y a un chanteur qui s'appelle JB Piana. C'est un chanteur super célèbre, à l'instar de Koffi Olomide, Werrason, Fally Ipupa. Après Fally Ipupa, il vient d'une génération beaucoup plus jeune. Et je suis tombée sur une interview qui m'a totalement édifiée, les filles. Et je pense qu'elle va vous édifier aussi. Et je vais vous mettre deux parties vraiment qui ont été pour moi le pic de cette interview. Et je vais vous mettre la traduction. Il y a cette première partie déjà. Oui, bango ba luki polémique. Yo so moni biso to provoquer bango to lobi mabe pona bango. Bon, pourquoi bango ba vérité? Mais bango ba vérité. Ce qu'il vient de dire en fait, ça part d'un certain contexte par rapport aux musiciens, etc. Mais ça peut s'appliquer pour les influenceurs et ça peut s'appliquer en fait pour votre vie de tous les jours. Vous savez, comme il l'a dit si bien, certaines personnes vont essayer de vous piquer afin que vous puissiez répondre. Et dans votre réponse pour vous défendre, c'est là que vous allez fauter et que vous allez dire des choses plus ou moins désagréables. Et moi, ça m'est arrivé du coup. Je vais vous donner un petit exemple bête, net et précis. Exemple, je me rappelle à l'époque, j'étais énormément critiqué. Vraiment, à chaque fois que je postais des vidéos, je répondais aux premiers commentaires, les 10 premières minutes. Après, je m'en allais et je fermais les yeux parce que c'était vraiment un déferlement du tout et du n'importe quoi, en fait. Je me rappelle qu'un jour, j'avais décidé de répondre par rapport à une réflexion que j'avais eue par rapport à mon ancien compagnon. Et j'avais dit, je pense, moi au moins, je n'ai que un papa-i, c'est-à-dire un père pour tous mes enfants. À l'époque, j'avais répondu ça, du coup, pour me défendre. Mais je n'ai rien contre les personnes qui ont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 papa-i. Moi-même, je vais en avoir un deuxième pas dans pas très longtemps. Je n'ai rien contre le fait en soi d'avoir plusieurs papa-i. Mais sur le coup, en fait, j'ai voulu me défendre par rapport à une attaque que j'ai reçue et je n'avais que ça pour me défendre. Et ça, et cette faute que j'ai faite était liée par quoi? Par des personnes qui ont essayé de me piquer juste pour que je réponde mal afin de créer du coup des polémiques qui me retombent du coup plusieurs années plus tard. Je pense
4 ans plus tard même, parce que ma fille va avoir 4 ans. Il me semble que c'était à la période où Ariel était vraiment toute petite. Donc vous voyez que franchement, ce passage, il m'a vraiment édifiée. Et justement, pour terminer sur ça et pour passer à la suite, il y a ce deuxième passage que je vous ai diffusé sur Instagram. Passons Luca polémique. Nous, on veut pas de polémique. T'as raison, ça s'appelle réponse T. Bon, fin à bisou, bon, provoquer, t'auras l'oba rien, t'auras une sa réponse T. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bosaba, bah, riches, soyez les riches. Nous, on est là comme on est. Avec notre public, ça s'arrête là. Stop. On veut provoquer personne. Je pense que vous avez entendu le tonton, il ne faut pas répondre. Et aujourd'hui, je vous parle en tant que personne qui fait des vidéos, mais c'est applicable pour votre vie de tous les jours. Et d'ailleurs, en créole, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo concernant la jalousie. Alors attendez, je vais baisser un petit peu la vitre. C'est des attrapes. Des attrapes, ce sont en fait des tactiques pour essayer de vous provoquer inutilement, vous faire sortir hors de vos gonds, ça sert strictement à rien. Répondre, il faut vraiment se concentrer sur le positif de votre vie. Certes, il y a des choses peut-être qui ne vont pas. Certes, peut-être votre couple, c'est un petit peu bancal. Vos finances, c'est un petit peu bancal. Voilà, voir la catastrophe. Votre travail aussi, vos amitiés aussi. Ah bah mon Dieu. Mais écoutez où qu'elle est là. Comme ça, on peut aller. Je veux dire que même si il y a certains aspects de votre vie qui paraissent bancals, il faut vraiment se concentrer sur le positif, et le positif attire le positif. Croyez-moi. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo à la fin de l'année, un petit peu rewind de tout ce qui m'est arrivé, de toutes les, en fait, pas les galères, parce que je pense qu'une galère, c'est vraiment quelque chose où tu t'enlises, où t'es vraiment dedans depuis un moment, t'arrives pas à voir le bout, mais des petites choses qui me sont arrivées. Donc du coup, là, les filles, on a un programme assez chargé, parce que comme vous vous doutez, là, vous êtes à jour au niveau des vidéos, parce que les vidéos que j'ai tournées, enfin les vlogs que j'ai tournés cet été, c'était des vlogs qui étaient tournés en fait au tout début des vacances, voire même un petit peu avant. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la rentrée. En tout cas, aux Antilles, c'est la rentrée. C'est le 1er septembre, jeudi. Il faut savoir que nous, en tout cas dans l'école où sont mes enfants, ils vont faire jeudi, vendredi en demi-journée et à partir de lundi prochain, si Dieu veut, des journées complètes. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai acheté le petit déjeuner pour les enfants, des pains aux saucisses. Je ne sais pas si vous connaissez. En France, il n'y a pas ça. Peut-être dans le sud, hein. Je pense que c'est dans le sud. Des pains aux saucisses, comme ça, c'est-à-dire que c'est un croissant. Enfin, oui, ça a la forme d'un pain au chocolat. Mais c'est comme un croissant, mais il y a une saucisse à l'intérieur, du coup. Et un gâteau pays, franchement, oh, ce gâteau, il est super bon. Ça s'appelle un Robinson, pardon, à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est un gâteau à la goyave, il y a de la coco. Non, il n'y a pas de coco. Oui, il y a de la coco, je pense, aujourd'hui, et il y a une crème pâtissière. Et c'est vraiment la crème pâtissière qui fait le tout. Et c'est pour ça que ça s'appelle Robinson à l'ancienne. Il y a le Robinson normal et il y a le Robinson, du coup, à l'ancienne. Et du coup, c'est ça que j'ai pris pour le petit déjeuner comme dernier petit déjeuner succulent. Summer has begun and we are fine. The sound of birds woke us up. I love the way you smile, you're all I need. The sky is so deep. Les filles, je vous retrouve et désolée pour la cloche de l'église qui est en train de sonner. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle sonne, tout simplement parce qu'il est 11h. Excusez-moi, c'est une petite notif. Il est 11h07, alors qu'il me semble que normalement la cloche, elle sonne pas à midi ou des heures un petit peu clés comme ça. Enfin bref, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Je suis super contente parce qu'on a enfin payer la cantine des enfants. Je vous explique. Normalement, le paiement de la cantine des enfants devait se faire au mois de juillet. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que je n'étais pas au courant. Dans ma ville où j'habite, à Trinité, après moi j'habite plus dans un quartier de Trinité, un petit hameau. C'est comme ça que j'aime bien appeler ça. Il va pas tarder. Il n'y a pas de site internet
très élaborée pour la mairie où on a accès à différents services en ligne, comme pour l'inscription aux activités, à la cantine, à la garderie, ces choses-là. Il faut venir directement en mairie, du coup, récupérer des carnets. Et en fait, à l'intérieur des carnets, bon, il y a un petit peu voilà, le calendrier de paiement. Il y a des bons de réservation. Donc, sur les bons de réservation, du coup, de la cantine, il y a le numéro d'identifiant de l'enfant. C'est-à-dire que chaque enfant a un identifiant, nom, prénom, commune, école. Et en fait, on doit cocher le nombre de jours que l'enfant va manger parce que ça se fait sous forme de réservation. Du coup, c'est pas comme en métropole, en tout cas dans les villes où j'habitais avant, où les enfants consomment. Et après, il y a le paiement qui se fait en fonction des jours qu'ils ont consommé, en fait. C'est assez embêtant dans le sens où il faut vraiment se déplacer. Et moi, étant donné que je n'habite pas à Trinité même où se trouve la mairie, c'est fatigant, surtout vu mon état, pardon, vous vous en doutez bien. Il faut savoir qu'en plus de ce système de réservation, je pense que c'est comme en France, en fait, il y a un tarif. Moi, ici, il y a deux tarifs sur Trinité. En tout cas, il y a 1,80, 2 et quelques et 2,55. Moi, je suis à 2,55. Je suis au plus haut tarif. Je pensais que j'allais être un plus bas tarif du coup cette année, mais non, c'est le même tarif que l'année dernière. C'est censé être une bonne nouvelle normalement, mais bon, bref. Pourquoi j'ai pas payé la cantine plus tôt? Parce que je vous rappelle que là on est quand même le 29 août actuellement. C'est tout simplement en fait parce que je n'ai pas eu l'information que l'on devait aller inscrire les enfants à la cantine et pour en vue du paiement qui était prévu du coup pour la semaine dernière. Et pourquoi? Tout simplement parce que cette info apparemment elle a été placardée à l'école, mais moi j'ai pas du tout l'information. C'était même pas dans les cahiers des enfants, ou sinon si ça n'a pas été placardé à l'école, les filles, et là je suis juste estomaquée. C'est même pas que l'information elle était sur le site de la mairie, parce que des fois il y a des petites annonces sur le site de la mairie, mais c'était sur Facebook. Quand je suis partie me plaindre à la mairie, en fait on m'a fait comprendre que voilà, c'était sur Facebook, c'est naturel, comment on n'est pas au courant. Et il y a une maman à côté qui m'a dit, mais comment toi tu peux pas être au courant, surtout que tu es sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a pu que inscrire et payer la cantine des enfants que maintenant. Donc là il fait chaud, on attend mon chéri parce que il a daigné m'accompagner, parce que je suis juste épuisée, les filles, épuisée. Je sais pas si ça se voit, je suis dans un état, mais ça, bah le voici, bah, voilà Ariel, t'es content? Il a ramené de l'eau parce que t'étais là en train de faire une syncope. Ça va mieux, Ariel? Les filles, je vous retrouve du coup le lendemain. Alors attendez, je vais sortir de ma place là. Là, on est avec les enfants, vous ne voyez pas trop parce que encore une fois, j'ai oublié de me procurer, vous savez, le sort de trépied à coller dans la voiture pour que je puisse filmer pendant que je suis en train de conduire. Et avec le recul, je me demande si c'est une bonne idée de me le procurer. Pas pour des raisons de sécurité, parce que quand je vous parle, ça me déconcentre pas tant que ça, parce que je vais vous confier quelque chose, les filles. Je sais pas si vous faites la même chose, mais moi, pendant que je conduis, après, peut-être parce que je fais des vidéos, mais je parle toute seule, en fait, comme une folle. Alors attendez, je vais me garer là devant la boulangerie. À chaque fois, j'ai des gens qui veulent me chercher des problèmes, donc je vais me garer une manière pour pas gêner soi-disant. Et on va aller à l'hôpital de Trinité pour aller voir la sage-femme dans le cadre de mon rendez-vous mensuel. C'est un rendez-vous qui est assez important, je vais pas vous mentir. Je vous en parlerai dans un autre type de vidéo. Je vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. On va voir ce qu'il en ressort. Et je vais profiter de lui demander si elle peut me déclarer ma grossesse au niveau de la sécu. Parce que du coup, la sécu, je leur ai envoyé mes papiers, mais ils ont pas pris ça en compte. Et comme je sais que le terminal... Attendez. Le terminal, vous savez, où vous mettez votre carte vitale, vous pouvez déclarer votre grossesse avec votre professionnel de santé. Et ben, je vais essayer de le faire comme ça aujourd'hui. Sinon, je partirai directement à la sécurité sociale de Trinité. Et d'ailleurs, peut-être que je devrais aller directement sur place. Que j'avais envoyé ça par courrier. Bref, et dans un second temps, en fait, on va ranger la maison, finir le rangement, parce que c'est vraiment le rangement de rentrée, en fait, où je veux que tout soit nickel chrome, parce que vous savez, pendant l'école, en fait, on n'a pas forcément le temps de faire grand chose.
parce que moi je suis concentrée. Oh punaise, je suis mal sortie de la place. Dire que pendant l'école, moi je suis vraiment concentrée sur, sur le fait de faire mes vidéos, excusez-moi, et de faire à manger le soir pour les enfants. Et là, dans le cas présent, étant donné que ma grossesse, je vais pas vous mentir, je vous en ai pas trop parler au niveau de l'avancée, j'ai pas encore tourné la FAQ, j'attendais que vous voyez la vidéo qui est sortie vendredi. Je suis assez avancée et je vais devoir me reposer pour me préparer du coup à l'accouchement. Donc pour ce faire, il faut vraiment que tout soit carré, tout soit nickel à la maison, surtout qu'il y a pas mal de choses à faire, étant donné que ben, je suis enceinte et que j'ai passé quand même une bonne partie de ma grossesse à la maison, étant donné que c'était les grandes vacances. Voilà, on est resté beaucoup à la maison, on a fait un petit peu le bordel un petit peu partout, donc maintenant il faut ranger. Mais c'est vrai que les filles, en tout cas je ne vous conseille rien du tout, mais une grossesse dans le début de la vingtaine, moi j'ai eu une grossesse entre 18 et 19 ans, une autre entre 20 ans, toute l'année de mes 20 ans. Oui, tu vas rentrer docteur. Et à 24 ans, et là j'ai une grossesse à 28 ans. Franchement, c'est pas la même grossesse de fin de vingtaine, début de trentaine. Et quand vous êtes à la début de la vingtaine, les filles, c'est pas du tout la même chose. Je suis tellement fatiguée pour faire un ménage, voilà, qui m'aurait pris peut-être. Excusez-moi d'ailleurs. En plus, il y a des cyclistes qui m'auraient pris peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure grand maximum. Les filles, ça me prend combien de temps? Ça me prend carrément une demi-journée, voire une journée entière. Bref, je vais me mettre en route. Non, j'ai pas mon portable. Bon, c'est pas très grave, on y va. Les filles, du coup, je vous retrouve, on est en fin d'après-midi. À chaque fois je vous fais ça, cependant, ça a été la course. Je suis rentrée de l'hôpital, mais avant, je suis passée à la sécurité sociale pour déclarer ma grossesse. Non, oui, je sais, je suis hors délai, mais vraiment de loin, 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 loin. Cependant, ils n'ont pas accepté ma déclaration de grossesse, donc j'ai préféré aller directement à l'antenne de Trinité pour déclarer ma grossesse, surtout que voilà, ça approche. Et il me semble que normalement, je devais déjà être à 100%. Au niveau des frais médicaux pour la grossesse, enfin bref, du coup. Et entre temps, j'ai tourné vidéo sur vidéo, perruque sur perruque, parce que j'ai reçu un gros colis pour le travail, colis que j'attendais depuis très 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 longtemps. J'étais en conflit avec la poste. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi la telenovela, c'est franchement zéro, vraiment. Et je plains les personnes qui n'ont pas une petite exposition sur les réseaux sociaux des fois pour mettre la pression, mais c'est inadmissible, parce que qu'on est une exposition ou pas, on paye pour un service et le service il doit être là. Ou si en fait on a mal compris les conditions du service, parce que des fois ça peut arriver, il faut être transparent quand même et donner les bonnes informations. Bref, j'ai dû faire ça, surtout que j'étais en retard par rapport à pas mal de gens avec qui je travaille. Et là du coup on va faire un dernier tour dehors les filles avant la rentrée, surtout on va être au top pendant l'été les filles. On est bon, moi
suis une personne adulte, donc j'ai essayé de sceller un petit peu. Mais les enfants, dans un état, laisse tomber. Venez, les enfants. Bon, Joshua, ça va parce qu'il a les cheveux courts. Maria, c'est la cata. Et pourquoi c'est la cata? Je vous laisse deviner. En fait, pour les personnes qui habitent dans ma commune, même en Martigues, sur le bord de mer, vous savez que c'est impossible pendant les vacances de tenir des cheveux entretenus parce que... Parce que en fait, ils sont tout le temps en train de plonger. Quand je vous dis qu'ils sont en train de plonger, c'est-à-dire qu'ils plongent dans la mer, sur le ponton, comme vous avez vu. Ils nagent, etc. Et donc, c'est impossible de garder une coiffure. Mais là, étant donné que c'est la rentrée, on va se coiffer. D'ailleurs, je vais vous montrer nos outfits de rentrée. Est-ce que je vous montre nos outfits ou un de mes outfits juste pour la rentrée même? Parce que moi, j'aime bien me faire jolie. J'aime bien être leur sœur maman, en fait. C'est-à-dire, je suis leur maman, mais je suis leur sœur. Je pense que vous avez vu cet outfit en fait dans du coup ma vidéo All Try On Baby Mama avec Milano. Et donc du coup je vais mettre ça, je vais vous mettre la vidéo juste ici et je vais mettre une perruque avec une perruque lisse et je serai au top du top. Je suis allée me chercher, non. On va pas faire ça, on va aller dans leur chambre. D'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans leur chambre. Leur chambre. Oula. Leur chambre où c'est tout le temps le bordel. Loupi, tu peux m'éteindre ton ventilo, mon petit cœur, ouais. Loupi. Donc du coup, pour Loupi, je vous ai montré son sac à dos. C'est celui-là, elle veut pas de la licorne. Pour son outfit de la rentrée, en fait c'est un outfit que sa tati lui a offert. La Reine des Neiges, malgré qu'elle a... Mais non, elle m'a acheté. Oui, elle t'a acheté, elle t'a offert. Du coup, malgré qu'elle a d'autres outfits qu'on a acheté à Kiabi et même des cadeaux de la part de leur mamie en métropole, mais elle veut celui-ci avec ses petites baskets que sa mamie lui a offert. Donc, ça sera ça l'outfit de Ariel. C'est des petites baskets que mamie m'a offert. Non, ça c'est pour un autre jour. Mais c'est mamie qui t'a offert effectivement. Pour Joshua, ça sera ce t-shirt blanc. On va voir combien de temps il va rester blanc d'ailleurs. Je sais pas si vous avez ce problème là aussi en tant que maman avec ce petit shirt qu'on a acheté à Kiabi. Je vais montrer aussi mon petit habit. Non, tu as déjà montré. Et vous son sac il est assez simple à Joshua. Non, sûr. Il est pas simple du tout. Ok, bon, son sac c'est celui-ci, mais sa mamie va lui en envoyer un autre. Et deux sacs par enfant. Des gâtés quoi. Donc du coup là les filles, on est juste en mode pas beau pas belle encore aujourd'hui. Après c'est terminé. Après on sera les plus beaux de la commune. Du coup, et là pour ce dernier jour vraiment de vacances, parce que demain ça sera full maintenance. C'est à dire que je vais faire les cheveux à Ariel, Joshua va chez le coiffeur avec sa tati. En plus de ça on clean toute la maison. On devait faire ça aujourd'hui, cependant ça n'a pas été possible avec toutes les choses que j'ai à faire. Regarder. On a monté tout pour nettoyer tout, mais il n'y a rien qui s'est passé. Oh,
Voilà, la tchou-pichou. Du coup, les filles, je rentre dans le vif du sujet et là, je deviens alerte comme une pile électrique parce que du coup, j'ai failli rater la rentrée de Joshua. Je vous explique, il y a quelques semaines ou quelques jours, j'ai reçu un mail de la directrice me disant que la rentrée de votre enfant se fera jeudi de 13h30. Et je suis proche que maman a reçu un colis. Il y avait quoi dans le colis? Bon, s'il y avait des sacs roses, elle avait des nouveaux habits, maman. Et puis, elle a un habit pour la rentrée. Et puis, elle a des autres. Et puis, on a des bigoudis, une brosse à bébé pour nous. Et on va voir un prochain colis. T'aimes bien quand on reçoit des colis? C'était la petite entracte de Ariel. Et du coup, dans ses mails, il était dit que la rentrée se ferait sous forme de demi-journée comme l'année dernière. Donc moi, je pensais que ce message, il concernait Ariel, mais également Joshua. Ce matin, quand je me réveille, par ma banque d'ailleurs, pour me demander une information, parce que je ne vais pas souvent dans l'espace échange de messages avec ma banque en ligne, je me dis, c'est bizarre quand même. Et je commence à appeler l'école. Malheureusement, ils ne répondent pas. Je pense qu'ils devaient être saturés ou occupés. J'y vais, les filles. Je croise la maman d'un camarade à Joshua, son meilleur ami d'ailleurs. Elle me dit que c'est pour les maternelles. Et c'est les petites et les moyennes sections que la rentrée se fait sous forme de demi-journée. Mais non, c'est la maman de... Je l'ai rencontrée tout à l'heure et c'est elle qui m'a dit que Joshua devait aller à l'école et que toi, c'est l'après-midi. Donc, l'email que j'ai reçu, c'est pour en fait, c'est pour les petites et les moyennes sections. Et, étant donné qu'elle est en moyenne section maintenant, doucement, doudou, elle fera sa rentrée sous forme de demi-journée. Donc, on est parti en trombe avec Joshua pour sa rentrée. Ça s'est bien passé, malheureusement il est super triste et j'ai failli pleurer avec lui parce qu'il est pas avec son meilleur ami en fait et ça le rend mal, mais c'est pas plus mal en fait, surtout que ici on a la chance, l'école elle est toute petite à un point que les primaires et les maternelles sont mélangées et malgré qu'ils sont mélangés, il n'y a pas beaucoup de monde. Hâte que bébé soit là. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu sais si ton petit frère ou ta petite sœur, si c'est une fille ou un garçon? Tu le sais ou pas? Oui, je le sais. Moi, je le sais pas. Ariel, d'après, elle le sait. Bref. On attend la sage-femme pour faire un monito. Parce que, disons que... C'est un petit peu compliqué, la grossesse. J'ai vu, du coup, ma sage-femme qui me suit dans le cadre de ma grossesse plus tôt dans la semaine. C'est pas forcément évident, comme je vous ai expliqué. Mes précédentes grossesses étaient beaucoup plus faciles. Celle-ci, elle est assez ardue, mais je vais pas me plaindre. Franchement, c'est... Il y a des gens qui galèrent, qui font tout un tas de magie pour être... dans la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire enceinte. Donc, je vais juste prendre mon mal en patience et surtout supporter les petits effets négatifs et c'est tout. De toute manière, tout ça est temporaire.